Et bonjour YouTube. Nous sommes en route vers le pays des gratte-ciels. Mais nous le ferons le prochain live. Attendez d'abord. Waouh, qu'est-ce qu'il est beau notre Mario. Eh, bouquet, blablabla, un peu de lecture. Truc de voyage sans longueur. C'est quoi déjà? Rien de plus simple. Courez, accroupissez-vous et sautez. C'est bon à savoir. Pays des gratte-ciels. Comment ça? Que se passe-t-il? Ah, pourquoi ne dirons qu'au prochain live au pays des gratte-ciels? Parce qu'on se fait péter la gueule. Vite, à l'attaque. Vas-y Mario, t'es ready là. Va lui péter la gueule Mario. M-A-R-I-O, c'est Mario. Je n'ai rien à dire. Ah si, bisous YouTube. Et bonjour YouTube. Oh là là, eh, qu'est-ce qu'il est beau. En fait, le jeu est vraiment beau. Les DA des jeux Switch. Pays des nuages. Le cumulonimbus. Est-ce que tu savais qu'un cumulonimbus? C'est dans là-haut. Voilà, je ne sais plus ce qu'il dit après. Moi, ça m'a marqué le fait que quand il lit son livre sur le cumulonimbus, il n'arrive pas à le dire. Du coup, il lit et il fait cumulonimbus. Et après, il continue sa phrase. Voilà. J'ai plus de points. De points de chaîne. T'as utilisé tous tes points de chaîne. Ah mince, navré parce que tu vas pas pouvoir utiliser pour dire des trucs très très intelligents comme Isabelle. Je suis navré pour toi. Petit boss, mid boss là. Oh, 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 oh. Bowser le maléfique. Comme le film, pas très bien. Isabelle. Alors Bowser, on rappelle qu'il parle comme ça. C'est pas qui t'a affaire. Tu es face à Mario en slip. Oh là là! Le punch au chapeau. Isabelle! Non, ça marche pas, je suis navré. Y'a que avec les points de chaîne. Faire quoi? À faire ça? Mange ça! Qu'est-ce que tu dis de chier? Ah, il est là-bas. Prends ça, gros loser. Reviens là, reviens là! Il est où? Il est là! Voilà. Non, putain, ça marche pas. Fallait pas insister plus, ça ne changeait rien. Voilà, il suffisait de pas être bête et d'éviter son coup de queue qui était assez visible. On a tué Bowser, c'est bon, il est mort. Faisons un festin avec sa chair. Ah non, il est vivant, excusez-moi. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Feu! Quoi, Bowser? Feu! Bowser, il est nul à chier, il a pas compris la blague. Ah! Attention hein! Attention Capi hein! Ah bah on est mort. Finalement c'est Mario qui est mort.
L'autre elle a peur pour son mari le chapeau alors que c'est un chapeau volant quoi. Il est tombé et alors il vole. Enfin il... est-ce qu'il vole? Non il vole pas en fait, je dis de la merde. Enfin il vole un petit peu mais genre il volera du sol, aucun intérêt. C'est un overboard. Ça fait 3 heures de live, j'ai le droit de roter. Toxil, pays perdu. Voilà, nous sommes donc. Comme ça, prochain live, je pense que demain j'y rejoue. Et prochain live, ça sera New Kong City. Est-ce qu'on a atterri tout seul? Allez, c'est café! Ah, besoin de lune. En fouille un peu, on devrait se mettre dans le coin. Enfin, il oublie qu'il a une voix nulle, du coup, il a une voix normale et après. Pardon, excuse-moi, Mario! Manger. Oh putain. Pourquoi tu me dis manger? Faites face au poteau. Non mais c'est bon. Oui mais en fait j'aimerais bien... J'arrive pas à sauter. Ah, ça c'est une plateforme, ok. Je croyais que c'était un reflet. Tu vas manger, c'est ça que t'essayais de me dire? Oula, ouf. Ah, ce passage là, ça je savais qu'il arrivait et je savais que ça m'énervait. On a plus de chapeau. Gros loser. Pour le speedrun, il y a des moyens de. Il y a des moyens d'éviter cette séquence, mais je ne sais pas comment faire. Dis donc. Mais Mario. Mario. C'est bon. Mario a failli se suicider. Visiblement pris de spasme. Encore un bloc où on ne comprend pas l'utilité. Ah mais c'est... Ça ressemble au bloc du dernier truc. J'ai pas fait le jeu mais je l'ai vu. Au bloc qu'il y a dans le dernier monde. Qu'on peut casser sous une certaine transformation. Ah bah voilà. Oh, arrête de chialer, on l'entend chialer en plus le chapeau de mort là. Faut que j'aille les chercher à la main quoi. Je peux pas juste lancer mon chapeau comme un débile. Est-ce que c'est un truc, y a une notion de poids? Je pense que c'est ça, et là je fais ça et paf. Voilà. Ah oui, ok. Bon, ça va, c'était pas très long comme séquence. Je pensais vraiment que c'était genre au moins 10 minutes de jeu, quoi. Eh, Pio, j'ai chaud, merci pour le sautage rapide. Tubatina. C'est trop bien comme créature. Je veux devenir toi. Ok. Ah, il faut faire ça. T'as bien la musique aussi. Oula, mais non, je touchais le sol pourtant. Bref.
Très bien. Il nous faut donc combien d'étoiles? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai mal compté, je crois. Mais je crois que... Ah merde! Ok. D'accord. Ah ok. Merci. D'accord, juste pour ça. Merci mon gars. Ah, on pouvait s'accrocher. Oh là, il y a beaucoup de trucs là. C'est bien ça. Merci, tout simplement. Bon, j'essaie de compter. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il m'en manque 8. Il faut 10 étoiles pour ce monde là. Oui, c'est des lunes. Et alors, j'en ai un à foutre. Captain Todd! Ah non. Ouais, c'est toi Mario, je vais te déposer ici! Et là, je suis pas en exploration cette fois, mais cette île m'a tapé dans l'œil et j'ai décidé d'ouvrir une boutique! Je t'en prie, fais donc à toi à l'intérieur! Sommet du pic, mon cul. Ah, y'a le. Y'a le planner! Le planner! Ah, bah elle est là. En surplombant Toxil! Et non pas de Coxy! Qui n'a rien à voir mais qui fait des chansons. Non pas toxique non plus, la chanson. Dans Britney Spears. 100 pièces, j'ai les 100 pièces, j'ai déjà tout acheté, ça c'est incroyable. C'est bien ça que tu veux. Merci. Oh putain. Damn, une affaire en or sur Toxil. Salut. Truc d'aviateur. On va acheter ça, comme ça on l'aura. J'aime bien la tenue d'aviateur. On va acheter ça. J'achète, mais je ne porte pas. Très bien, quand tu veux. Je reviendrai quand j'aurai envie, en fait. Oui, c'est ce que j'ai dit. Ta gueule. Ok. Très bien. Tu veux m'emmener... Emmène-moi. Je suis pas allé en bas là en fait. Maintenant tu es maman. Quoi? Pourquoi? Pourquoi je suis maman? Qu'est-ce qui se passe encore? Ah mais là c'est avec les petits bitonios là. Qu'est-ce qu'il me raconte lui? Ah! Bon ça on va prendre. Ouais, bien sûr. Ah faut trouver Captain Todd. Ouais le chien. Vu. Bah oui, c'est plus safe comme ça. Hein. Oh le bâtard. Voilà. Bam! Trésor de papaya. Plus que 5. Ok, c'est bon. Il y a un truc là. Merci, mec. J'avais pas du tout remarqué. Voilà. Ow. Plus que 4. Plus que 4. Je vais peut-être pouvoir commencer New Kong City en fait dans cette VOD. Ah, il y a le perroquet. Oh, vu les pièces. Qu'est-ce que c'est? Éclat de lune dans la mangrove. Où est-ce qu'elle est cachée? Je ne sais pas où la chercher. Oh, vu les pièces. Bon, on va redescendre parce que là, il y a des pièces. Voilà, hop. Demande à NDJ Panso. Je ne comprends pas ce que tu essaies de me dire. Oui.
Ah, non. Oh là, il y a des pièces en dessous là, c'est très étrange. Bon, bref, celle-là, on va la laisser pour l'instant. On va aller chercher ça là. Oh, comment ça? Comment ça tu tombes? Comment ça t'es bête? Là, c'est moi qui suis bête, hein, visiblement. Ok. Tu es la maman de rien. Je pense que tu as bu. D'accord. Non mais je te... Ok. Je ne comprends pas. Je ne comprends rien ce qui me raconte. combien de temps? Ok, 20 minutes. Bah si je me dépêche, il me reste une demi-heure et comme ça je peux faire la première partie de New Donk City là parce que c'est long là, New Donk City elle va être longue. Et non, je l'ai pas bu. Je sais bien que t'as pas bu, c'est juste que je ne comprends quand même rien. En fait je ne vois pas ce que tu veux dire. J'ai peut-être loupé une info moi dans mon gameplay là. On va se re-TP tout en haut. Parce qu'on a vu une étoile en bas. Plus que 3. 3, hein, c'est ça? 2 ou 3? Non, 3. Quoi? C'est ici? Non, non, c'est pas là que je voulais aller. C'est là. Après, là, il me reste aussi des trucs à faire. Hein. Voilà. Par exemple, en allant par là. Ah, mais il y a un truc ici, en fait. Je pense. Voilà. Damn. Tout simplement. On va en avoir un autre. Non, va, je t'en supplie. Merci. Tu es maman de rien, mais tu es quand même maman. Mais je ne comprends pas pourquoi tu dis ça. Je vois bien que tu mets le message en avant et que t'es très motivé, mais je ne comprends quand même pas. Hop. Ok, par là y'a rien. Demande à... Mais je ne sais pas qui c'est, NDJ Panzo. Alors on va là-dedans. Merci pour la lune mon gars. Bon bah ça va être bon. On va pouvoir se casser direct hein. Je vais pas fermer plus ce monde là parce que... En vrai, si, il est sympa. Vraiment j'avais une très mauvaise image de ce monde. Parce que j'avais notamment le souvenir du... Du truc, on perd le chapeau, et je croyais que c'était beaucoup plus long. Et même si c'est une très bonne idée. Oui, très bien, je. Arrête! Oh, je voulais juste passer le dialogue parce qu'il me parlait, je m'en battais les couilles. Donc je disais, oui, j'avais une mauvaise image parce que je pensais que c'était plus long. Même si c'est une bonne idée de faire perdre le chapeau. C'est comme dans Half-Life, quand on perd le stuff, même si c'est une très bonne idée, et que ça donne un peu d'enjeu à ce qu'on fait. Bah moi j'étais très frustré de pas avoir mon stuff quoi. Bah, là c'est un peu la même chose. J'aurais été très frustré de pas avoir le chapeau pendant longtemps. Donc vraiment j'avais une plus mauvaise image de ce niveau là. Je pensais qu'il était un peu plus... qu'il était plus chiant quoi. En fait il est très bien. Je pense que là faudra y aller avec un... Ah non regarde, je vais essayer avec le planeur. Sinon je pense que là c'est la TP. Après on a peut-être... il y a peut-être pas une TP dans chaque monde hein. Parce que là, oui, j'ai le planeur, je l'ai même pas utilisé. Ouais, non, bah là, je vais y aller en planeur. Palapapam. Tu restes coincé ici à vie, mon gars. Je ne sais pas où est la clé. Et je pense que là, c'est avec le planeur, du coup. Mais on va se casser. Je sais, arrête de chialer.
Sont donc à 93 lunes, je crois. 94. Oh là, bah doucement, laissez-moi monter quand même. Laissez-moi aller à l'intérieur. Ça fait ça à chaque fois, pour moi il était quand même à l'intérieur. Et donc nous repartons vers New Dong City. Ah bah c'était l'endroit où est Captain Todd à droite. Enfin là on a vu le petit, j'ai l'impression en tout cas, qui était éloigné du reste et il y avait le petit chapiteau. Ok, bon là ça fera une VOD de 20 minutes, donc on va continuer. Et on va faire la première partie de New Dong City car elle se déroule en deux parties. Ni spoil, on arrive de nuit et ensuite on arrive au jour. On va faire la nuit. Oh, 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 sur Brave Tidway. Oh là là. Triple saut, oui, bah A et A quoi. Pays des gratte-ciel. C'est un diplôme complexe urbain qui s'est développé grâce à l'énergie des lunes. J'ai dit être. Du coup, il laisse littéralement des trucs, des barres d'uranium traîner. Puisque dans cette ville, il y a plein de lunes qui traînent. Bowser and Peach. Le scolopendre du gratte-ciel. Nous avons... Ah, voilà la Madame la Mère. On est enfin arrivé, mais la situation dépasse au beau fixe. Regarde, c'est le vaisseau de Bowser, allons-y. Nous avons du coup une étoile, car on rappelle que nous nous sommes déjà TP dans ce monde-là. Genre ici, là, je sais pas où c'est. Voilà, ah bah non, c'est TP. Ici. C'est quoi les autres listes, là? Chapimorphose. Oh! Est-ce que j'ai eu tout... Non, il y a plein de Chapimorphose que j'ai loupé. Ça, c'est dans le monde 2. Ah, j'en ai loupé peut-être une, je ne sais pas si je l'ai loupé. Bref, il y a les endroits où on les a loupés. Ah, mais il y a quand même encore une autre liste, c'est quoi? Les souvenirs. Ah, les souvenirs, c'est les trucs qu'on achète. Donc ça, j'en ai pas pris beaucoup. Allez, on y va. C'est parti. Madame la mère. Oh! Ah bonjour, je crois que le moment n'est pas très bien choisi pour faire du tourisme. Depuis que ce monstre est installé dans le coin, et dans le coin, la ville est sans dessus dessous. Visiblement, il veut que tout le monde sache qu'il va se marier. C'est peut-être sa mariée à lui de nous inviter à sa fête. C'est tout ce que tu me dis? Casse les couilles la mère. J'ai failli mourir deux fois. Ça te dérange de tirer tout droit? Mario! T'es con ou t'es con? 3 sur 100. Est-ce qu'on peut les casser les papiers qui volent? Je crois pas. Ça dégage. C'est pas le meilleur moment, j'y vais quand même. Bordure de la ville. Oh, ça pue l'eau de bête. Oh, des mouches. Là, on va pas trop explorer, on va surtout essayer de rusher pour arriver au jour, parce que de toute façon... Qu'on loue, tout ce qu'on prend pas pendant la nuit, on pourra le prendre pendant le jour quand le monde sera plus tranquille. Donc c'est mieux de les prendre le jour. Comme ça. Putain, ils foncent, c'est comme ça qu'ils attaquent. Ok, ça j'avais pas prévu. Pas trop. Oula, dessus. Ok, mouche. Moi, ce que je veux, c'est accéder à ça. Bah, c'est ouvert en fait, donc j'ai accès. Je vais pas trop explorer, je vais juste tuer tous les ennemis que je croise, juste pour le plaisir. Parce que ça me sert à rien là, je pense. Hein. Ok, bon, on va avancer alors. Si je détruis ça. Si la fille se sent consternée de mauvais coup. Oula! Vu!
trop tard. Voilà, merde. J'ai quand même bonus en les cassant. Ah, je peux les casser. On s'en fout. Allez, on avance, on avance. On n'est pas là pour chômer. Aïe. Oula. Voilà, merci. Ce que je vais casser, c'était ça. Bien avancé, merci Mario. Voilà, deuxième lune. Je peux voir devant moi. Non, j'ai pas le droit visiblement. Là, je peux quand même. Merci. Ça se débloque ça. Attends, ça c'est bien fait, c'est malin comme idée. Incorporer les blocs dans le monde de manière logique. C'est juste des pièces, merci à vous. Oula, ça va pas aller hyper safe comme zone hein. Les mouches. Voilà, c'est bon. La mouche. Ok. Là, il y a un peu de secret. Est-ce que le mur? Non. Accès au chantier. Allez, on peut dire ce qu'il y a. Merci, Capi. Allez, on monte, on monte, on monte. Bonjour. Bonjour. Bonjour Cosmo. Tu étais déjà là mais rebonjour. C'est complètement débile mais je trouve ça très drôle le principe des Goombas comme ça, qui peuvent grimper les uns sur les autres. Y'a quoi en haut de là? Des pièces. Voilà. On se remet bien aligné quand même. Histoire de les prendre, ce serait quand de les louper. Et sinon on loupe on loupe quoi? Est-ce qu'on loupe quelque chose? Non, il n'y avait rien. Bon, on va passer par là. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Détruit la planète. Hein? Tu as pensé à ça? Oh, oh, ah, oh. Oh, raté. Comment ça? Ah, c'est plus là, mais faut sauter. Damn. Ok. J'ai eu tellement peur de tomber que j'ai préféré me jeter moi-même dans le vide pour contrôler ma chute. Par là, il y a des pièces, donc ça me paraît être l'entrée logique, mais il y a forcément quelque chose derrière. On va passer par là. Aïe. Voilà. Il y avait effectivement quelque chose. Je vois pas où je vais. Étant donné qu'il y avait pas de rambarde ici, c'était un peu risqué. Très bien. On monte. On va à l'intérieur. Ah là, c'est l'hôtel de ville. Putain, c'est un sacré hôtel de ville. Hein. Au revoir. Ah, au revoir. C'est juste pour tester ou tu t'en vas vraiment? Ah, le dogo. Le dogo, il fait juste du bruit. Il fait pas de bruit.
de gauche c'est juste hip-hop. Le truc à gauche c'est que je sais pas comment on y va. Donc il y a des pièces mais je sais pas comment. Quel connard. Ah, il y a forcément des choses ici. Putain, pour 4 pièces quoi. Trop content hein. Abruti de Mario. L-U-G-I hein. C'est bon, je peux parler. Hop là. Ah. Oh putain, je suis vraiment un débile. En fait, c'est galère de pas... C'était pour tester le au revoir. Oui, bah oui, je m'en doute. Je me doutais bien que c'était pour ça. Comme après t'as mis le dogo, je me suis dit que tu voulais juste tester tout ce qu'il y avait. Putain, non mais je suis un connard aussi hein. Moi de speedrun, plus de gameplay. Ça vous va, nouvelle devise. Non mais putain, j'ai voulu faire... J'ai jamais appuyé sur Y. Hein. Là, je fais juste une attaque rodéo. Mais non, tu n'en es pas un. Merci. Merci, Messi. Là, par exemple, j'en suis un. Parce que je suis sûr de pas avoir appuyé sur Y. Enfin, je dis que je n'ai pas appuyé sur Y, mais du coup, je l'ai probablement fait. Là, je l'ai fait, mais c'était voulu. Ok. Oh putain. Ok, c'est bon. C'est bon, j'ai eu les pièces que je ne savais pas comment on les a. Et en plus je sais parler. Putain, Abrutix. Nouveau personnage phare de la série de bande dessinée Astérix. Ta-da-da-da. Putain, ça marche vraiment quoi. Ils y arrivent. Quelle bande d'ordures. Ok, c'est bon. Je n'avais plus de batterie sur mon téléphone. D'accord, ok. Oui, bah écoute, t'inquiète pas, hein. Même si jamais à un moment tu veux y aller, tu as le droit, hein. Tu n'es pas obligé de rester tout le long. C'est fort aimable à toi de rester. Allez, grimpe, grimpe, grimpe. Allez, Mario. Je crois que c'est la sortie parce que depuis tout à l'heure, j'ai que 1 point de vie. C'est pas la sortie tout de suite parce que visiblement, on continue de monter là. Oh putain, ok. 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 Oh, vite un cœur. Sinon, y a pas de cœur. On sait que des pièces. Il y a un truc que j'ai loupé à gauche. Tant pis. Ok. Ouh. Oh putain. Au-dessus des blocs. De toute façon, on repart du début. De tout en bas. Haha, je suis trop content. Incroyable. Bravo Mario. En fait maintenant que je sais faire les sons en longueur, je suis trop content donc j'ai envie de les faire tout le temps. Bon, j'y arrive à chaque fois. Mais putain. C'est galère en fait de faire dans la bonne direction. Enfin bref. Ouais non, c'est pas galère, faut juste pas être un gros con. Oh.
Ok, c'est bon, je suis pas mort. Je faisais un peu plus attention au lieu de faire un peu et faire un peu moins n'importe quoi. Wouah! Ok. Comment ça? Merci. Alors du coup il y a un bloc que j'ai loupé peut-être. Ça je peux pas l'atteindre. Ah si c'est comme ça, tout simplement. Je pensais pas qu'on pouvait. Ouh, c'était un peu bas ça. On ouvre ça, une lune. Ta devise c'est pardon. Pardon, c'est ça. J'avais dit moins de speedrun et plus de gameplay parce que j'en avais marre de mourir en boucle. Donc c'était ça, mais ça ne l'est plus. Donc il n'y a rien en haut, donc on va pouvoir putain mais bon ça va. Ok. Voilà. Voilà. Tout va bien. C'est mieux qu'avant. Et là, on va avoir un cœur. Tout à l'heure, si j'avais tenu juste un petit peu plus, j'aurais eu un cœur. Putain, en plus, c'est le cœur. C'est comme ça, quoi. Au-dessus des blocs. Là-dessus, il y a un passage secret. Au-dessus des autres blocs. Allez, on y va, on y va. C'est vraiment parce que... C'est vraiment parce que je suis à côté. T'as bu, mon pauvre vieux. T'as bu, hein. Oui, non, non, oui. Enfin, je crois. Non, c'est pas là. Peut-être plus loin, mais c'est pas là. Non, vrai. Bah non, j'en ai pas vu en tout cas. Tant pis, c'est pas grave. On retournera là plus tard s'il y a besoin. Allez! Il faut continuer à voter. Oh, pas des petites merdes comme ça. Oh putain, tout ce qui me font des dégâts parce que je suis à chier. Allez, on fait le tour. Il y a un truc électrique là, je suppose, voilà. Un ami a monté et redescend pas. Tu as mis avec Bowser? Moi j'ai envie, j'ai pas envie d'aller là tout de suite. J'ai envie d'aller en bas avant. Parce qu'il y a des trucs à faire. Ah, il absorbe l'énergie pour la transférer ailleurs dans le vaisseau peut-être. Non mais là il y a un chemin là. Je suis pas fou hein. Ok, ok. J'ai trop peur de tomber. Parce que là c'est au-dessus du vide en plus ça. Ah mais c'est pas trop gênant. Si jamais on tombe c'est pas trop gênant. C'est parti, on repart. Hop. The blob. Et cette grosse limace va nous péter la gueule. Ça serait plus un mille-pattes. Adieu Mario. Triste fin pour un tristement célèbre héros. Quoi tristement célèbre, je ne sais pas. Heureusement que Mario a les bottes d'Aperture Science. Merci mon gars. Faudrait que je regarde où est-ce que je vais. Parfait. Oh. Ok, on va pas là.
Oh putain! J'avais pas vu qu'il y avait ces murs là. Je fixais uniquement le château, moi. Enfin, le château, l'hôtel de ville. Ok. Qu'est-ce que chien plus os égale chat? Je suis pas tout à fait sûr de comprendre ta logique. C'est bon? Ah, il ressort ici, ok. Ah, il passe juste pour tirer? Non, c'est bon. Ok, si je bouge pas, c'est vraiment pas la bonne méthode, je pense, en vrai, de pas bouger dans le jeu. Comment ça? Ah, nouvelle phase. Oh putain. Ça va être long du coup si faut que je passe vite. Moi qui suis très nul. Ça va être long. Mais on s'est déjà fait toucher 3 fois. Hein. Ça repart pas à 0 j'espère. Je pense que c'est vraiment juste de la vitesse. Voilà, merci. Ah c'est bon, ok parfait. Ou alors non, là il va super vite. Ah non, visiblement il va pas aller très vite là. On dit que les chiens ne font pas les chats, mais la preuve que si. Eh mais un chien, si tu lui donnes un os, ça devient pas un chat. Je comprends rien. Un message sur deux là. Je sais pas si c'est parce que aussi ça fait 4h que je stream. Enfin 3h40 là. Mais un message sur deux que tu mets, je suis perdu. Hein. Tout à l'heure tu parlais de je suis maman et tout. Là, tu m'envoies des emojis en disant les chiens font des chats. Qu'essayes-tu de me dire? Mais de toute façon, j'ai arrêté le stream là. Ah, ça fait une petite VOD. Tant pis, ce sera une petite VOD. Hein. Mais comme ça, ça fait vraiment la découverte. Le nouveau départ à New Donk City la prochaine fois. C'est un beau moment de transition. Donc pour ça, je vais garder ça. Et donc, je dois avoir 5 étoiles là, je pense. On est débarrassé du scolopendre. En plus, il fait beau. Malheureusement, cette crapule de Bowser a pris la poudre d'escampette. Il faut qu'on le rattrape. On n'a pas assez de lune pour décoller. Alors, va en chercher dans la ville. Bon, juste passer à la boutique. Parce qu'elle est juste à côté, là, non? Corde à sauter. Elle est loin, la boutique. Bon, on avance jusqu'à la boutique, quand même. En ignorant tout ce qui est autour de nous. On baisse les yeux. On regarde pas ce qu'il y a. Voilà, on regarde, on n'a pas vu. On n'a pas vu, comme ça on se spoile pas la ville. J'aurais bien dû. T'as eu de chantier. Oh, c'est une golf ça. Putain, avec. On prend la vignette. J'achète. Je vous fais coller ça sur l'Odyssée. Et rien d'autre pour l'instant, ça va suffire. Bonjour et bienvenue. Ah, nouveaux articles. 150. Si je prends tout ça, j'ai pas assez. La lune, on l'achètera la prochaine fois. Tout simplement. Voilà. La prochaine fois, on pourra acheter la lune. Et du coup, on dégage. On retourne à l'Odyssée. Je savais pas qu'on pouvait se taper depuis l'intérieur, mais visiblement, si. Très bien. Donc, ça fera une petite VOD. On a donc le monde chapeau, le monde dinosaure, le monde désert, le monde lac, c'est là, voilà, lac la mode. Le monde forêt qui est en bas ici. Le monde oublié, celui dont on sort. Et New Donk City qu'on vient de commencer. Encore 20 étoiles, rien que ça. On va mettre celle-là maintenant. YouTube. Ah, tu. Mais il y a une commande YouTube, non? Elle marche pas la commande YouTube? Slash YouTube. Non. Il me semblait que j'avais une commande. Putain. Mais du coup, j'ai une chaîne YouTube, oui, effectivement. Chaîne YouTube, de toute façon, tous les liens sont en bas. Mais on va s'arrêter là. Nous allons nous arrêter là pour ce petit jeu tout à fait sympathique pour Mario Odyssey. Super Mario Odyssey, il est très bien. La dernière fois, j'aurais bien fait un live aussi de cette durée, mais j'étais en train de m'étouffer, donc j'ai arrêté.
Et donc, je pense que demain, je vais le continuer. Là, il est 18h, ce soir, je vais faire d'autres trucs, là, que je vive un peu ma vie aussi. Je pense que je vais regarder des trucs, genre, il y a des lives sur Twitch ou je sais pas quoi, là. Il y a live, le truc, on est Furax, donc pourquoi pas ça. Et il y a aussi, et en même temps, jouer à Super Mario Odyssey, du coup, donc je serai peut-être pas exactement au même endroit. J'aurai pas la même, autant d'argent et tout, parce que je pense que je vais farmer un peu les premiers niveaux. Que ce soit thunes, les pièces spéciales ou les étoiles. Parce que je vais pas faire le 100% en stream, mais je vais quand même avancer hors stream. Ah, ce qu'on peut faire si avant. Avant de s'arrêter là. Avant de s'arrêter là. Parce que c'est une petite VOD, donc on peut se permettre de le faire. Pays des sables. Moi j'ai le 99%. Moi en stream je ferai pas le 100%. J'ai jamais fini un Mario 100%. Genre j'avais un Mario New Super Mario Bros sur DS là. Il me manquait deux grosses étoiles. Et on m'a volé mon jeu. Donc j'ai jamais pu terminer. Mais 99%, bravo. Je sais pas combien de trucs à faire en fait dans le New Game Plus, donc enfin dans l'end game. Dans l'end game, donc ça se trouve jamais j'aurai le 100% quoi. Comme le jeu est très bien, je vais continuer à, je vais jouer aussi de mon côté. Alors il est où? C'est lui là. La marche coupe pas. On va aller là. Non, c'est un oasis. Bon, on y va, on y va. C'est par là. Derrière deux buissons. Derrière deux buissons. Putain, par contre Mario, il arrive pas à grimper dans les dunes, c'est chiant en roulant. Il a le coup pas. Est-ce que c'est là, là? Il y en a 3. Est-ce que c'était ça? Est-ce que je te dis où elle est? Attends, attends. Bah, j'essaye sans avant. Il y en a qu'un. Là, il y en a deux, peut-être là. Mais sinon, je vais retourner voir l'indice avant. Tac, 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 ok. Peut-être là. Là où il regarde, du coup, ce serait en haut. Salut, un petit défi, ça te va? Tu vas essayer de battre ton record. Bah non, attends, j'ai 95. Ok. Je vais juste mettre. Non, comme ça. Parce que je sais pas ce que j'ai dans mes screenshots là. Qu'est-ce que j'ai? J'ai rien, j'ai rien. De toute façon, c'est que du. Oui, c'est bon, j'ai rien. S'en fout. Je peux remettre. Et donc, c'est celui-là l'indice. Vers le nord par rapport à lui, il semblerait. Celui qui est là-bas alors? Non, parce que c'est pas tout à fait nord, mais je vais essayer quand même. Mais non, il y en a trois en plus. Ok, let's go. Ok, let's go. Attends, j'essaye. Aïe. Je réessaye. Vraiment, quand... parce qu'il regardait, c'était un peu. Ce coup, c'est indiqué nord là. Mais en soi, c'est un peu à droite de là où il regarde. Ah putain, mais il peut regarder de direction. Quel connard! Il regarde en fonction de là où on est. Non, c'est plein nord. Non, ta gueule. Plein nord.
Enfin non, je me cogne dans ça. De base, il regarde par là. Je vais essayer un peu par là. C'est peut-être les deux qui sont là-bas, là. Et du coup, je comprends pas l'indicateur plein nord. Qui est juste pour nous... Non, c'est pas ça. C'est bien un indice. Tu en as un. Sinon, au pire, tant pis. Hein. J'ai pas la réponse non plus. Au pire, je le ferai moi hors stream. Mais j'ai bien un indice. À la limite, s'il te plaît. Hein. Fasse un trou. Trou, trou, trou. Nanana. Pour ton indice, j'y comprends rien. Peut-être que je fasse un trou, mais je vois pas comment. Tant pis, hein. Non, bah tant pis, on va partir. Hein. Je comprends rien à l'indice. Hein. Je reformule près d'un trou. D'accord. Même s'il y a des trous. Pas de trou là. Bon, tant pis, je vais abandonner, je ferai moi hors stream. Parce qu'il y a un autre, il y a peut-être un autre coup pas comme ça en fait. Mais ça m'étonnerait, ça me dit rien. Ou alors c'est vraiment plein nord, il faut que j'aille vraiment plus au nord quoi, genre par là. Depuis le coup pas, c'est plein nord. Ah mais non, c'est bon, c'est pas drôle. Je le ferai hors stream au pire. Je ferme hors stream, si tu me dis la réponse, c'est moins rigolo. Il n'y en a pas d'autres, ok. C'est bien lui. D'autres Goombas. Non, c'est des Koopas, c'est pas des Goombas. Oh! Bon, déjà, on peut ramener ça en ville. C'est la même chose. Non, les Goombas, c'est les... c'est les champignons, c'est pas la même chose, enfin. Tiens, on va planter ça en ville. Il y a une fusée aussi. Mais on s'en fout, ça je ferai ça en stream. C'est pas grave. On va juste... on va retourner à Dudong City, on va s'arrêter là. D'accord, tout simplement. C'est une étoile pas... Ah, faut peut-être attendre. Bon bah j'ai une étoile. Allez, on y va. C'est pas grave, je ferai ça hors stream. Bonjour toi. Ah, ils servent de... C'est eux qui nous TP de... D'un truc à l'autre là. Allez. Allez Mario. Faut attendre 20 minutes. C'est en 20 minutes qu'ils poussent au cas. Bah j'ai bien fait de le planter. Maintenant comme ça ce sera fait. Très bien, 102 étoiles, on va retourner à Dudong City, on va s'arrêter là. En soi je pourrais rester là. Hein. Je vais retourner au monde des chapeaux, comme ça moi quand je vais jouer hors stream, bah, je vais commencer du premier monde. Voilà. Et très bien, bon ça a augmenté un petit peu la durée de la VOD comme ça, parfait. Bah c'est en profité du voyage, là, salto arrière. Bon, on sait bien le salto arrière. Je ne le savais pas en début de stream mais je l'ai appris. Il y a un panneau qui me l'a dit. Très bien, je me pose ici, puis moi je vais jouer hors stream un peu tout à l'heure. Mais là, on va arrêter. Voilà, on aura très bon jeu. Hein.
Eh bien, merci en tout cas. Merci D-Girl d'être passé une bonne partie du stream. Merci Cosmos d'avoir animé le chat Au aussi pour une bonne revoir. partie. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup pour le au revoir. On pense tous évidemment à lui. On pense tous évidemment à Giscard. RIP. C'est bien lui, hein. C'est bien lui le au revoir. C'est bien Giscard, je crois. Je crois que c'est. Il me semble bien. Je suis fatigué. Bref. On éteint la Switch. Oh, dégoûtant, Burke. Voilà. Tac, 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 j'éteins tout ça. Et du coup, des bisous, bonne soirée. Du coup, demain, je vais continuer. Sûrement, je vais sûrement continuer. J'aurai peut-être la flemme ou j'irai peut-être faire autre chose. Mais normalement, je continue demain. Sinon, mardi soir, je commence Red Dead Redemption. Enfin, je commence la saga Red Dead Redemption qui sera tous les débuts de semaine, je vais continuer ça. Donc, on commence par le 1. Jeudi soir, stream multi ou... Normalement, on finit le community center sur Stardew Valley. Et Mario Odyssey que je reprendrai peut-être le week-end prochain ou lundi, mardi prochain. Enfin bref. Sinon, demain, prochain stream sur mardi, il y a un stream, mardi soir, et peut-être demain, si je suis motivé. Voilà, merci beaucoup, des bisous, bonne soirée. Et on va mettre une petite musique de fin tout de même. Tac, tac, blaise, blaise, bef. On met ça là et on va mettre du Fez. Non, on va mettre Céleste, ça fait longtemps. Je mets tout le temps Céleste donc ça fait pas longtemps, mais bref. On va mettre Star Jump. Voilà, des bisous, bonne soirée, au revoir.